Bienvenue dans USNS Comfort. Ça, c'est pour principal nous. C'est là nous recevons monde qui est victime et salle du geste. Nous avons 50 cabanes. C'est une salle du geste qui a une capacité 50 cabanes. 30 pour monde qui blessé grave dans la bataille. Et 20 pour ça qui a récupéré dans l'autre partie celle-là. Boîte métal ça yo, c'est côté nous gain équipement pour aspiration de l'eau, oxygène et nous produit propre de l'eau avec oxygène. Et nous ka produit plus que 300 000 gallons par jour et nous produit oxygène d'eau. En plus de ça, nous gain bouteille oxygène en réserve qui capable aider nous si toutefois usine dans suspend marché et ça pourquoi j'aime arriver. Et l'autre bon avantage qui gagne l'air ou capable produire propre oxygène ou c'est qu'on capable bailler l'autre monde oxygène. Dans cas assistance humanitaire ou bien secours après catastrophe naturelle, tant que ça qui est arrivé à Porto Rico dans l'année qui s'est passée, nous avons arrivé bailler plus que 67 cliniques à l'hôpital oxygène parce qu'il n'y a pas de courant sous l'île. Bateau ça gagne trois configurations différentes. Les bons que je commence comme ça pour capable comprendre. Bateau ça fait pour répondre à besoin médical les gros combats. Deuxième configuration, c'est pour porter secours urgence les catastrophes naturelles, tant que tremblement de terre, cyclone et puis assistance humanitaire. Et c'est ça que a fait qu'on y a à l'autre 11 côté, côté que nous dépassé déjà. Sorti d'un côté de recevoir blessés, tout bagage marché tant qu'on une ligne production. Ou est flèche yo. Nous recevons patients yo, moun ki blessé dans combat yo. Après nous aller jouk nan banque sang, radiographie ak sal opération. Raison qui fait nous gagner li nan niveau ça, c'est parce que c'est niveau qui plus stable dans bateau. Les nap naviguer, c'est espace qui bouge moins. En l'air tête nous sous plateforme qui en l'air, nous avons service support. Nous avons pharmacie, laboratoire pour faire analyse, tout médicament et toute fourniture si nous besoin dans l'hôpital là dans étage en l'air. Mais ça c'est plateforme principale là. Et nous allons continuer à marcher sur flèche. Ça, c'est une 4 unités soins intensifs. Nous avons une capacité 80 cabanes, 20 dans chaque unité. Ils ont tout semblé, espace yo tout l'ouvri, point infirmière à docteur capable de suivre tout bagay en même temps. Chaque bloc métal que nous avons là, il y a le même bagay que nous avons montré dans le commencement. Équipement pour oxygène, aspiration, instrument pour checker signe vital, l'eau et la trier. Tout système yo connecté entre eux-mêmes et tout bagay yo géré dans base qui l'autre bord. Konya, ça nous utilise dans l'espace ça, c'est pour patients qui fait opération. Au lieu de nous voir dans l'autre salle, nous kembe yo ici là pour yo capable stabiliser. Après, on saute dans 100 unités anesthésie. Nous avons capacité pour 80 patients. Tout l'hôpital là, il a capacité, il a une grosse opération combat pour plus que 900 cabanes. Mais nous ne pouvons pas utiliser ça qu'on y a. Pas de nécessité pour ça. Nous avons 12 dans la salle. 12 salles d'opération, même grosseur, même équipement. Nous avons fait ça pour visite guidée avec séance pratique pour personnel New York. 12 salles d'opération en deux rangées de 6. Yo large, bien équipé et ceci nous capable de faire gros opération et si opération n'a pas besoin de combat. Pratiquement jusqu'à 24 opérations en même temps. Et j'aime te dire à patients qui sont stable mais qui besoin plus d'examen, nous menons dans la salle radiologie. Nous avons 4 salles comme ça. 4 salles, même gens, nous avons même équipement pour faire radiologie digitale.
En plus de ça, nous avons 5 appareils radiologie mobile que nous avons déplacé n'importe côté sous bateau. Vous pouvez louer au dehors avec toute machine échographie. Nous avons équipement sonographique qui est très sophistiqué. Nous allons dans l'autre salle, côté nous avons 4 scans. Il y a un bagage qui est intéressant sur la machine, ça, il est tellement gros et large, nous sommes obligés de faire un gros trou sur le côté bateau pour nous être capable d'installer. Évidemment, nous fermons les et là nous changeons les dans 3 ans, nous sommes obligés de faire le même bagage. Ça, c'est un tomographe, ce n'est pas une machine à résonance magnétique, parce que nous avons mis tant métal et l'étape est compatible. Une bagay qui est important que nous faisons pendant la mission, ça, c'est ODE, examen et diagnostic à bord. Nous communiquons avec l'hôpital, avec l'autre institution, nous menons les patients, patients qui ont besoin d'un CAT scan, qui sont capables de prendre 2 ou 3 mois. Nous faisons une liste et nous avons à peu près 8 et 10 patients chaque jour. Radiologiste là fait toute bagaille et il fait un rapport et patient aller la caille avec un CD qui gagne rapport. C'est première fois que n'a fait ça et vous souhaitez que nous capable faire examen ça en Haïti. And hopefully we can do some of those exams here in Haiti. Yep. Et qu'on y a avec deux compatriotes, deux haïtiens américains qui travaillent ici là sous bateau. Hein? Les femmes d'abord, bonjour, comment vous êtes? Moi bien, vous-même. En forme, artiste, c'est ça qui nous. Oui, oui. Est-ce que vous rapidement présenter pour mon cap garder mieux là? Ok, non, moi c'est artiste et moi j'ai fait au CAI. Moi en 2000, à peu près 18 ans, je suis aux États-Unis. Et puis j'ai à peu près 8 ans depuis que dans la Navy. Navy, yes. Et vous-même, Raphaël? Donc moi c'est Pierre Raphaël, moi c'est Bodocap, moi-même c'est un officier qui fait logistique sous bateau. J'ai quelques 20 ans depuis ma Navy et c'est un plaisir de vous ensemble avec nous. Justement. Mission ça a un titre bien spécial pour venir en Haïti. Est-ce que vous capable de dire mon qui ça nous-mêmes nous fait sous bateau spécifiquement? Moi-même, moi c'est un infirmière, mais pendant moi dans bateau, moi travaille premièrement avec translator ou traducteur. Donc, so, dans notre pays qui mon yo pas parler anglais, moi travaille avec yo comme si moi fais oreille, moi assure côté au supposé. Donc on pas besoin de faire traduction ici là. Parce que c'est créole. Non, non oui, créole là vrai. Pas besoin de traducteur ici pour parler avec peuple là. Et au même Raphaël. Moi-même, je pas fait partie du staff médical. Moi-même, c'est un officier qui fait logistique. Donc, le département, nous fait sûr que nous baillons tous les docteurs, infirmières, tout ça qu'ils ont besoin pour accomplir la mission. Moi-même, personnellement, je gère l'argent. Je fais sûr que la mission continue à gagner tout l'argent qu'elle a besoin pour fonctionner. Bon, bagage. Et bon, dans une bonne position, tout. Toute position est importante. Là, quand nous venons en Haïti, et Haïti est dans une situation difficile, mais nous allons dans l'autre pays. Tout. Est-ce que la mission, nous-mêmes comme Haïtiens, sont pas spéciales pour nous? Et oui. Comment elle est spéciale? Oui, elle est vraiment spéciale pour moi retourner à Haïti pour interagir avec tout peuple haïtien et puis pour m'aider peuple haïtien dans possibilité par moi. C'est vraiment spécial pour moi tout parce que en 2010 après tremblement de terre là m'te voulais faire partie, m'te voulais aller à Haïti aider dans façon de ca aider. Là ça m'te dans l'école m'pas ca aller et finalement me joindre une opportunité pour m'ca venir à Haïti aider dans façon ça. Et vous-même, Raphaël, comment mission ça spéciale pour vous comme Haïtien qui vient en Haïti? Ça fait longtemps depuis que j'ai eu la chance de visiter Haïti. Je suis bien content que les circonstances à ces conditions qui font que je rentre ici pour me capable aider. Parce que nous connaissons très bien que Haïti a besoin d'aide là, en pile. Tout l'autre pays que nous passons là-dedans, il a besoin de tout. Même quoi que Haïti a besoin de plus. Donc, c'est ça qui fait que je crois qu'il fait un peu de sens le fait que nous sommes capables là, malgré la situation qui a passé politiquement. Parce que le fait que nous avons aidé, aider, si nous avons même aidé les gens, ça c'est un gros, son gros changement ça est pour nous et pour toute la nation. Donc, bien content pour que nous sommes capables de faire partie de ça. Vous avez un message pour vous? Non, absolument. Je suis bien content que nous sommes capables de faire partie de ça.
que nous avons aidé haïtiens. Nous avons aidé les gens qui ont besoin. Nous avons aidé le peuple en réalité. Nous croyons que ça n'a seulement pas guéri tout ce qui est passé en Haïti. Mais c'est une partie que nous avons fait. Je suis bien content que moi j'ai fait partie de ça. Un message pour les gens haïtiens, les amis ou peut-être Cap Gado là, ou bien les gens qui connaissent ou les familles qui vont dire mais artiste, c'est pas toi. Ça va vous dire. Oui, moi je suis bien content que je suis là. Comme je dis, c'est un honneur que j'ai la possibilité pour venir là, pour là pour ma parler avec peuple là pour m'a servir moi souhaiter que moi retourner là encore dans façon ça et visiter voilà. La prochaine. Nous connaissons un pile travail donc nous souhaiter nous bon travail. Merci en pile. Merci. Merci beaucoup, son plaisir.